ici fan de randonnée, j'espère que vous allez bien. Nous autres, en tout cas, ça va super bien. Premièrement, bienvenue dans l'épisode 6 de notre road trip en Gaspésie. En ce moment, on a fini le mont Xalibu et on est en route pour le mont Louis. Donc, nous allons faire une découverte de randonnée. Nous allons faire la boucle de l'Anse Pleureuse. Donc, n'oubliez pas que pour toutes les caractéristiques, c'est dans la description. Et avant de commencer, on va aller vous montrer notre camping qu'on est. Donc, on va se retrouver là-bas. Let's go!
là, nous sommes rendus au sommet de la petite montagne de Lanse-Pleureuse. Donc, pour ma part, la montée, honnêtement, pour une petite montagne, c'est quand même assez raide. Pour vrai, là, on a sué en masse. Toi et mon Philippe, comment que t'as trouvé cette montée? Moi, je l'ai trouvé assez soufflante. C'est étonnant pour une petite montagne, honnêtement, là. Mais le reste, ça a super bien été. Les sentiers sont vraiment bien aménagés. Donc, sur ça, on va commencer la descente. Let's go! Nous sommes arrivés à cette magnifique fin de randonnée à la boucle de Lanse-Pleureuse. Donc, pour ma part, la randonnée en général s'est vraiment bien passée. Au niveau de la descente, c'est vraiment écœurant. Il y a juste peut-être un petit peu moins d'aménagement. Il y a quand même beaucoup d'arbres qui sont tombés sur le sentier. Mais sinon, là, la descente est recouverte de végétation tellement que on a dû tasser des branches et des fougères pour passer sur le sentier. Mais c'est vraiment une expérience quand même assez belle pour une petite randonnée. Voici le point positif, c'est qu'on a trouvé qu'au sommet de la boucle, les vues étaient vraiment bien dégagées. Pour vrai, là, on voit vraiment toute la ville plus le fleuve. C'est vraiment écœurant. Donc, toi et moi, Philippe, comment que t'as trouvé ça? Moi, en général, ça s'est hyper bien passé. C'est sûr que la montée était un peu plus essoufflante, mais vraiment, la descente, là, je l'ai adorée parce que là, elle était vraiment pas dure. C'est sûr que oui, on a dû tasser quelques arbres. Il y avait même un tronc d'arbre, il fallait que je me mette à quatre pattes pour passer en dessous. Mais sinon, tout était vraiment nice. Donc, sur ça, on se retrouve pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs, donc abonnez-vous!